le thème de la radicalité. Voilà. Le thème de la radicalité, il me semble qu'on peut tracer en Europe une histoire de la radicalité au long cours du XVIe siècle avec les travaux de Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu, fantastique, sur la violence religieuse pendant les guerres de religion en France et sur la signification de cette violence qui est là aussi est codée et signifiante. Jusqu'à aujourd'hui, départ de centaines, de milliers de jeunes gens qui quittent la France pour aller faire leur guerre ailleurs et leur salut, en passant par d'autres phénomènes de radicalité et de messianisme, fussent-ils séculiers, comme, on va dire, une forme de communisme qui a pu aboutir à une radicalité en acte type RAF, par exemple, dans les années 70 en Allemagne. Et la Rote Armee Fraktion, la fraction armée rouge. Et qui est d'ailleurs une manière de régler ses comptes avec le nazisme en grande partie, et en passant également par le nazisme. Donc on peut faire, si vous voulez, non pas des filiations, mais des comparaisons homologiques, si vous voulez, en voyant que dans tous ces phénomènes-là, la Saint-Barthélemy, les attentats de la fraction armée rouge dans les années 70 en Allemagne, la violence de la SS, et aujourd'hui, le comportement des amis des antiquités à Palmyre, il y a, comment dire, une homologie de structure, si vous voulez, quelque chose qui correspond, qui est l'investissement existentiel dans la violence comme salut, si vous voulez. Deux historiens, Denis Crouzet et Jean-Marie Le Gall, ont fait un petit livre récemment, publié au PUF, un petit essai qui doit s'appeler « Sur les guerres de religion », où ils se posent la question, au fond, nous, bon, les spécialistes du XVIe siècle, Jean-Marie Le Gall à Paris 1, Denis Crouzet à Paris 4, à quoi sert-on aujourd'hui? Est-ce que nos travaux peuvent éclairer, servir à quelque chose pour donner sens, qualifier au moins ce qui se passe aujourd'hui? Et leur proposition, c'est il y a un rapport homologique évident dans l'investissement existentiel dans la violence des uns, les assassins de Coligny, et les autres, nos décapiteurs youtubiens quotidiens. Voilà. Dans les deux cas, la violence a un sens, la violence est légitime, et la violence fait votre salut, et peut-être aussi le salut de l'autre, au fond, parfois, parce que vous êtes, l'expression existe au XVIe siècle, elle revient aujourd'hui, elle est là dans les discours de ces assassins, vous êtes le bras armé de Dieu. Voilà. Alors, quand vous êtes un terroriste de la fraction armée rouge, ou quand vous êtes un membre d'un Einsatzkommando de la SS et de la police allemande sur le front de l'Est, vous n'êtes pas le bras armé de Dieu parce qu'il n'y a pas de Dieu. Mais vous êtes le bras armé d'une cause qui vous dépasse et qui est une forme de messianisme séculier et de transcendance immanente, celle de la race. Vous faites le salut du Reich et de la race en faisant ça. Le Walter Mattner que je vous citais tout à l'heure, celui qui décrit le tir au pigeon avec les enfants, et qui le décrit de manière très crue, hein, il écrit à son épouse, en lui racontant sa journée et en concluant en disant « Embrasse bien nos deux petites filles que je serre très fort contre moi ». Il a deux petites filles, deux petits bébés apparemment. Et il dit « Mais au fond, d'abord il décrit très concrètement comment ça se passe, il décrit que son uniforme est taché par la matière cérébrale, la matière grise sur son uniforme, par du sang, sa gicle. Et puis il dit « Voilà, moi je fais ça pour que mes petites filles vivent. » C'est-à-dire que si j'abats pas les nourrissons ici, sur place, en Lituanie, eh bien, ils vont grandir et ils vont venir assassiner nos filles à Vienne, parce que, ou je ne sais pas où, en Autriche, parce que il est évident que depuis des millénaires, les Juifs veulent notre mort. Et donc, ce petit bébé d'un shtetl baltique, s'il grandit, viendra assassiner mes filles, et ça, je ne le veux pas. Et il y croit. Donc, ce qui fait le lien entre tous ces gens-là, du XVIe siècle au XXIe, en passant par le XIXe et le XXe, c'est la croyance et l'investissement existentiel dans la violence comme salut.